Hey, what's up, boys and girls? Pis là, je me promenais tranquillement. Pis là, j'ai vu cette magnifique Chrysler Dynasty. Checkez-moi ça. C'est une merveille de Dieu, là, cette voiture-là. Là. Là, attendez, je vais juste attendre que le monsieur il se tasse dessus. À moins que ce soit sa voiture. Peut-être, non. Je pense pas, mais je vais aller la filmer de plus proche. Je vais aller filmer ça de plus près. Pis, oh, il y a un truc de Purolator, mais là-bas, on voit qu'il y a un Bronco. Non, c'est un truck, c'est un pick-up avec une boîte de fibres. Ouais, ouais, ouais. C'est bel et bien. Pick-up avec une boîte de fibres. Puis là, je me suis dit que j'avais filmé ce magnifique Chrysler Dynasty. Non, c'est pas un Celebrity. C'est un Chevrolet Celebrity. Pourquoi j'ai dit Dynasty? Je vais être un petit peu... pas pensé, mais ouais. Avec un Chevrolet Celebrity. Vraiment, vraiment cool comme char. On voit plus bien, bien. Halloween, checkez-moi ça à l'intérieur, automatique. Oh là, désolé, j'ai dit Chrysler Dynasty, mais c'est un Chevrolet Celebrity. Et puis, en plus de ça, là, c'est un Chevrolet Celebrity qui vient de Granby parce que Charland, à Granby, ben c'est à Granby en tout cas. Fait que c'est en avant, j'ai déjà fait une vidéo dans ma OMC dealership. Là. Je parlais de ça, puis aïe, ah, c'est vraiment hot. Vraiment, vraiment nice de spotter ce Celebrity là à cet endroit. Je sais pas c'est qui le propriétaire, malheureusement. Check-moi ça, là, l'intérieur. Vraiment hot. Pour vrai, là, je suis... Oh, shit, la personne. Personne de qui filme. Puis, aïe, man, pour vrai, là. Oh, shit, le sticker ici. 2.8. Il est décollé. Hey, même la plaque, je l'avais pas vue, là, mais c'est... La plaque Charlotte. Granby, Québec. Aïe, aïe, en vrai, là, je suis vraiment content. Oui, il y a de la rouille, mais il est vraiment hot. En gros, c'est un char qui est vraiment hot. Fait que je suis vraiment content d'avoir spoté ça. Puis, tu sais, on voit qu'il n'a pas été restauré. Puis, au moins, la personne qui a ça, elle le garde, tu sais. On pourrait très bien l'envoyer à scrap. D'ailleurs, ça, c'est pour mon ami Cédric. Cédric, Buick Skyhawk. Qui, c'est ça, là, il habite à Baie-Saint-Paul. Je lui ai dit une fois que j'irai le voir avec ma belle Catherine. Avec ma belle Catherine, là. Mon beau pacer, ma belle Catherine, c'est de même que je l'appelle affectueusement, là. Il y a cette rock-là, Ford, je me suis dit que j'allais filmer ça en même temps, tu sais. Ça me ferait une belle vidéo, le car spotting, un petit walking on the street. Il y a de chez Formule Ford. Il y a un Dodge Dakota. Mais bon, fait que je sais pas. On va aller par là pour filmer le devant. Aïe. Ah, je sais pas si c'est un quelle année là. Mais il est vraiment vraiment hot. Là, le Chevrolet Celebrity là-bas là. Oh my god! Je suis vraiment content d'avoir spoté ça. Vrai genre. J'en suis fier. Je suis fier de moi. Donc là, on va faire notre petit walking on the street. Puis je pense que même par où est-ce qu'on s'en va, il y a une place. C'est-tu à la rue Brébeuf? Je sais pas où c'est plus loin. Faut que. Faudrait que je me rappelle. Là. Mais je sais que si on continue à une place, là. Bon, ça fait gros des places dans une phrase. Mais si on continue à une place, il va y avoir une place où est-ce qu'il va y avoir un Corolla, il me semble, un vieux Corolla bleu. Un vieux Toyota Corolla bleu. Je sais pas quelle année, là, mais je verrai ça. Je verrai bel et bien ça. Mais
Ouais, je sais pas trop. Bon, attendez, là, au pire, je vais arrêter la vidéo parce que là, je pense que je me suis égaré. Je me suis perdu un peu. Peut-être pas non plus, juste un peu. Mais peut-être pas en même temps. Je pense savoir où est-ce que je suis. Ouais, je pense bel et bien le savoir. C'est juste que je suis pas sûr. Ah, je vais voir l'autre. Passe par là. Oh, il y a du monde qui. Il y a de la musique, mais on dirait qu'il y a un. Oh boy, il y a un truck, c'est cool. Ah, il met de la musique, hein. Les gars de la construction, mais il y a un truck, c'est cool. Puis on dirait qu'il y a un camper, là. Man, ça va voir, là. Valait la peine de faire cette vidéo-là. Attendez, là. Ah, il y a bel et bien un camper. Puis là, comme il y a une clôture, puis qu'on verra pas. J'ai pas acheté ça pour rien. Là, je sais pas, je vois pas bien, là. Ce que ça filme, là. Il a vraiment hâte, là. Je vois à travers la clôture. Je vois aucune masque. Ah, ça, c'est un Chevy Van. Ouais, genre un G30. Je sais pas, là, ça doit filmer vraiment mauvais. Puis là, il y a le truck, c'est comment il va le filmer? Je sais pas, je vais être capable. Tu peux pogner une bonne angle. Je verrai ça au montage. Moi, je sais pas, il y a une bonne angle. By the way. Mais ouais, le truck Z71. Fait que c'est. Je sais pas si c'est un CK là, en tout cas. Ouais. Tain, on le voit mieux d'être là, le camper. Ouais. Oh non, non, je travaille pas pour la CSST. C'est bon. Ah, le gars! Quand il dit « Ouais, travaille pour la CSST! » Non, travaille pas pour la CSST, moi. Je vais juste filmer les vieux chars, hein. Non, non, non. Travaille pas pour la CSST. Ouais. Fait que là, je vais arrêter la caméra, puis je vais partir plus proche du Corolla, parce que y a pas grand vieux char. Il y a pas grand vieux char, il y a juste pas de vieux char, point. Je suis content d'avoir spoté ça, mais toujours mieux. Fait que je vais repartir plus proche du Corolla. Bon, hey, désolé, malheureusement, les gens, j'ai pas trouvé la Corolla dont je vous parlais. J'ai juste trouvé elle, mais c'est pas assez vieux. Fait que ça va mettre fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si vous aimez, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager, c'est comme vous voulez. Puis on se revoit dans une prochaine Walking on the Street.